Re tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de vidéo de découverte sur Far Cry 4, toujours à l'ascension pour la tour radio. Et cet aigle qui arrête pas de m'attaquer. Ah, il faut vite que je me soigne là. Je vais pas pouvoir le tuer en plus parce que là vraiment niveau balle je suis à sec. Oula, j'entends des. C'est des macaques? Ah ouais. Bah non. Oh putain, il m'attaque aussi! La nature est vraiment hostile là. Hein. Attendez, attendez. Là, il y a des renforts. Viens, viens, viens. Ça, c'est nos alliés du Sentier d'Or. Tu vas m'aider, toi. Oh là, il se met à attaquer. Il est où l'aigle? Je sais pas. Toi là. Voilà. C'est pas un furet ça, je suis pas sûr. Hein. Ah, je suis vraiment plein là. Là-bas, c'est pas un mec qui vend des. Oh non, c'est des ennemis. Oh non, 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 faut pas y aller. Du coup, on va prendre le véhicule pour aller un peu plus vite et au moins je serai à l'abri normalement de l'aigle. Sinon, il va pas arrêter de m'attaquer. Hop, on est reparti du coup. Merci pour ton véhicule, hein, je te laisse dans la panade. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses en plus autour de la tour radio là. Ça c'est pas cool. Vous voyez, c'est la première fois que je rencontrais un. Il m'a écrasé. Que je rencontrais un convoi tout à l'heure et maintenant j'en retrouve plein. C'est peut-être parce que je suis dans une région où il y en a plein, je sais pas. Acheter un gilet par balle. Bah, je voudrais bien, mais il faudrait un marchand sur ma route aussi. Hein. Oh non, 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 c'est abusé ça par contre. Ils me font respawn là, mais je suis complètement à sec depuis tout à l'heure. Je suis dans la merde, pas possible. Et. Oh putain. Bon, va falloir trouver tout de suite un véhicule pour que ce soit moins la merde. Et un convoi en plus là. Que là depuis tout à l'heure vraiment c'est pas la joie hein. Oh putain, ah bien rien, on va laisser faire là, on va pas attaquer, on va même essayer de prendre le véhicule. Putain. Ouais. Je crois que je vais me casser moi parce que là voilà. Pleine tête. Par contre, il va m'attaquer maintenant. Putain. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Ah, mais il y a le convoi. Faut que je le récupère quand même. C'est très bien. Je vais mettre comme ça, accroupi, pour pas qu'il me voit. Je l'ai contourné là ou quoi? Là, c'est un marchand là-bas. Ouais, c'est un marchand ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup avec? À l'avant-poste. Ok, donc en fait, on va laisser cette tour qui voulait vraiment pas qu'on la rejoigne, hein, je crois. On va changer du coup d'objectif. On va rapporter plutôt le convoi. J'espère que ça va bien se passer parce que la tour radio là, elle est un peu inaccessible. Hein. Vous, non, je vous laisse parce que sinon ça va être encore la merde. Poste de pesée. Oh putain, ça c'est pas bon. Ah mais c'est un avant-poste. Ah merde. Oh merde, moi je traverse un avant-poste comme ça sans le savoir. Je me fais tirer dessus, mais j'ai pas le choix. De toute façon, si j'arrive à rejoindre notre avant-poste, on pourra m'aider. Il va falloir juste que je me dépêche parce que là, je suis poursuivi comme pas possible. Bon, si ça continue comme ça, de toute façon, j'arriverai à m'en sortir. J'espère. Hein. Oula! Putain, la route est un peu accidentée. Ça va encore, le véhicule tient assez bien la route. Ouais, il dérape même pas. Ok, on est à 300 mètres, ça devrait passer. Ah, de toute façon, on les a semés, c'est bon.
Bon, tant pis pour la tour radio, hein. De toute façon, je vous ferai sûrement un let's play sur ce jeu, donc les tours radio, vous les verrez, c'est sûr. Je le ferai plus tard, hein, de toute façon, hein. D'abord, faut que je finisse le jeu, que je fasse une petite pause pour pas faire le jeu deux fois de suite assez rapproché. Du coup, ce sera peut-être dans longtemps, hein. Mais je vous le ferai, c'est sûr. On s'est déjà vu? Bah ouais! Je suis la cavalerie, mec! Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon Clint Eastwood! Ah, je suis Urk! On va parler de toi, mec! Tu putes tout le monde, on t'appelle le vénère, ouais! Alors, je suis là parce que toi et moi, ensemble, on va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or! En plein dans sa gueule! Espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier d'Or! Moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que. Pas parler ta langue! Oh le con. Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu déconnes. Ces types me regardaient tous d'un sale œil dès que je bavais sur le Sentier d'Or. Bah, du coup, je comprends mieux. Ok. Oh le con. Plombé. Cavalerie préventive. Et ouais, t'as besoin d'aide, t'appelles, on fonce et on t'aide. Moi ou le... Ah merde. Sentier d'Or. Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi, mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve, allez, check, mon gars. Boum. Dis donc, j'ai la fuite, mais toi, t'as pas la patate. C'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps. Oh non, il est sérieux. Ça, tu me promets qu'on se verra bientôt. Ok, vive le Sentier d'Or, mon pote. Wouh. Yeah. Ah non, le klaxon. C'est du GTA, ça. Ok, donc on a rencontré Urk, bah voilà, hein, justement c'est lui qu'on incarne si on joue en coop et pour le deuxième personnage c'est Urk. Voilà, choisissez l'option inviter les amis. Ok, ok. Du coup, il est où mon convoi, moi? Elle me dit pas que ça a annulé la mission, hein. Bah peut-être que si. Bon, bah on va prendre ce véhicule que je ne sais pas comment il s'appelle pour un peu voyager. Peut-être qu'on va en fait essayer d'aller à la tour radio parce que cette tour radio qui me résiste, j'ai vraiment envie d'y aller quand même, hein. On va essayer parce que c'est un moyen de locomotion plutôt rapide, hein, et plutôt utile parce que pas besoin de passer par les routes, hein, on va tout droit. Ah, je vais essayer, hein, quand même, hein. Ça ira assez vite normalement. Regardez ce paysage, n'empêche. Ouf. Un véhicule très bizarre quand même. Ah, regardez-moi ça ici, un truc sur moi. Ouais, de toute façon, je verrai ça plus tard. Et du coup, je crois que ça a annulé le truc du convoi parce que j'ai activé la mission Urk. Enfin, c'était pas vraiment une mission, hein, mais la cinématique. Ouais, dommage. Hein. Tout ça pour rien. Vraiment, on se fait troller dans cette vidéo découverte. Hein. La tour radio qui veut pas de nous, le convoi, c'est du fail. On va un peu monter en altitude. Par contre, il y a des gardes sûrement, du coup, va falloir faire gaffe. Je vais essayer de me poser plutôt pas trop proche, sinon ce sera la merde. Je pense qu'il y a des gardes, hein, de toute façon. J'en vois pas là, mais bon. Et on se pose tranquillement. Voilà, on est arrivé. Alors, ça aussi, je vais vous montrer. Comme dans Far Cry 3, le petit... Ah, je vais pas faire ça avant de poser un marqueur. On a aussi, bah, de retour, l'appareil photo, hein, qui nous aide, du coup, à repérer des ennemis ou des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire, là? Pourquoi ça... Ah non, c'est normal, en fait. Qui nous aide, du coup, à trouver des ennemis, des coffres, bah voilà. Toujours comme dans Far Cry 3. Hein. Beaucoup, de toute façon, de choses maintenues par rapport à Far Cry 3. Alors, ça, on peut casser. Et on entre. Alors, on n'a pas des... Si, il y a des munitions ici, si j'ai bien vu. Là, vous entendez, ça diffuse des petits messages de propagande, hein, la tour. Je sais pas si vous entendez après. Mais... Je vous le dis au cas où. On sait jamais.
Il m'a pas vu, hein. On va dire qu'il nous a pas vu. Alors, on monte par ici. Eh ben non, on descend. Le fail. C'est quand même un peu moins spectaculaire, je trouve, les tours radio par rapport à Far Cry 3. Où... C'était vraiment de la bonne escalade, là. Je trouve ça un peu moins bien, mais bon. C'est bien quand même d'avoir gardé ça. Ah bah tiens. Je croyais qu'il était tout seul, mais... bah non. Oula. On va se faire tuer encore. Ouais, mais là, ils sont vraiment beaucoup. Alors. Pas d'autres mecs. Il y a même les kamikazes là. J'appelle ça des kamikazes. Je n'ai pas trop envie de descendre. Oh putain, ils sont même là. Il y a des snipers aussi ou quoi? Oh, j'avais jamais vu cette animation. Soigne-toi. Sniper là, voilà, headshot. On va essayer de monter, hein. Il y a des trucs secondaires à récupérer, mais bon, ça je le ferai en off. On va juste essayer de monter. Oh, il y avait une ruche ici. Faut pas qu'il tire dessus parce que sinon je suis dans la merde. On grimpe. En fait, ils étaient aux alentours de la tour, mais pas dedans. Le petit piège quoi. Alors ici on fait le tour. En fait j'ai rien dit, c'est un peu comme dans Far Cry 3, c'est des fois un peu le labyrinthe. J'aime ça. Du coup il nous a lâché là je crois. Hop. Alors, regardez là. Hop. Ça tangue en plus, c'est comme si vous étiez dans un navire qui est... Ça bouge quoi, c'est pas très stable. Regardez, je touche rien là et... Perso bouge un peu. C'est pas très stable quoi. Alors, on est arrivé là. On est arrivé. Hop. Il n'y a rien là-dedans. Si du coup on a le truc à désactiver. Mais sinon il n'y a rien d'autre. Non. Ok. Donc là, c'est comme sur le 3. On pète ça. Clocher libéré 2 sur 7. C'est des clochers, du coup c'est plus des tours radio. Et la petite animation un peu à la Assassin's Creed. Ça montre les lieux importants qui sont dans les environs du coup de la tour radio. Shorten, c'est quoi? Comment c'est écrit? Et si d'ailleurs. Bûcher de Banachour. Du coup, on va ça. Ah, attendez. Là-dessus, on a une nouvelle arme du coup. Ouais, ça débloque à chaque fois une nouvelle arme quand vous faites des tours radio. Et du coup, la carte normalement s'est étendue. Voilà, elle se dévoile peu à peu. Voilà, du coup, on a débloqué ça, hein. En plus. On a 2-3 avant-postes dans cette zone quand même. C'est pas mal. Et on va descendre et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. J'espère du coup que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve peut-être prochainement pour une nouvelle vidéo découverte sur le multi de Far Cry 4. A plus.